Bien le bonjour à tous et à toutes. Nouvelle vidéo aujourd'hui du coup sauvage de moi-même pour vous présenter comment faire un peu de revenus grâce à un navigateur internet qui s'appelle Brave. Alors Brave c'est un navigateur internet que vous pouvez télécharger en ligne. Voilà, vous tapez juste Brave, vous prenez le premier lien et vous allez arriver ici. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez juste cliquer sur télécharger Brave et vous allez pouvoir le télécharger. Regardez la vidéo jusqu'au bout les gars parce que je vais vous donner plusieurs astuces pour améliorer vos revenus et vous faire plus de revenus, voilà. Abonnez-vous, regardez le reste de la vidéo, bisous. Alors pourquoi télécharger Brave? Alors Brave déjà c'est un navigateur de recherche que je trouve incroyable parce qu'il vous offre une confidentialité très haute comparée aux autres navigateurs et surtout il vous rémunère, ce qui nous intéresse. Alors sur Brave il y a plusieurs fonctionnalités, du coup celle qui nous intéresse nous c'est l'argent, mais vous avez une sécurité avancée, de l'argent du coup, les Brave Rewards, et un portefeuille en crypto, ainsi que Tor, qui est un navigateur de recherche qui vous permet d'être anonyme sur Internet. Nous du coup ici, on va exploiter dans cette vidéo les récompenses. Alors comment ça fonctionne les récompenses? Une fois que vous allez télécharger Brave, que vous allez lancer Brave, vous allez devoir cliquer sur le petit logo en haut de votre barre de recherche, en haut à droite, cette barre de recherche. Je vais vous faire un zoom, voilà à quoi ressemble le logo. Brave Reward. Vous allez cliquer dessus. Ils vont vous demander normalement est-ce que vous voulez utiliser Brave Reward? Vous faites oui, je veux utiliser Brave Reward. Une fois que ça c'est fait, ils vont vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Très bien. Mais nous, on va aller dans les paramètres pour modifier 2-3 choses pour avoir des revenus plus élevés. Pour ça, vous cliquez sur l'engrenage qui est juste ici. J'ai l'impression que ça marche aussi sur téléphone. Ça marche pas que sur PC. Vous pouvez télécharger Brave sur votre téléphone. Une fois que vous êtes arrivé ici, on va modifier 2-3 trucs. Alors, premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier le nombre de publicités qu'on reçoit par heure. Alors, comme vous voyez ici, c'est marqué publicité privée de Brave. Et c'est coché. Vous laissez coché, mais vous allez cliquer ici sur publicité privée de Brave paramètres. Et vous allez mettre 10 publicités par heure. Vous, normalement, c'est 5. Vous allez mettre 10. En fait, chaque publicité que vous allez regarder va vous rémunérer. Alors les publicités, c'est quelque chose de très simple. J'ai essayé d'en avoir une. Souvent, c'est quand vous ouvrez de nouveaux onglets. Moi, je crois que j'ai... Vu que je me suis connecté tout à l'heure, je dois pas avoir de publicité pour l'instant. Voilà, j'en ai pas. Mais en fait, normalement, quand vous ouvrez un nouvel onglet, vous avez une image, comme vous pouvez voir. L'image, ça serait une publicité. C'est quelque chose que vous voyez une demi-seconde, voilà. Vous faites après votre recherche. Hop là, vous avez passé la publicité, c'est pas gênant, etc. Après ça, on va revenir du coup sur les paramètres. Et on va venir modifier quelque chose qui s'appelle l'auto-contribuer. Vous allez le désactiver, parce qu'en fait, ça fait des dons. Ça va utiliser votre portefeuille pour faire des dons automatiquement. Du coup, vous allez perdre de l'argent, ce qu'on veut pas. Après ça, en bas, vous allez voir dons. Vous allez retrouver tous les dons que vous avez faits. Les dons mensuels que vous faites. Bon, vu qu'on a désactivé les dons... on s'en fiche. Une fois que ça c'est fait, il faudra vérifier votre compte. Vous, normalement, ça sera marqué non vérifié. Vous allez cliquer sur ce petit logo non vérifié. Vous allez avoir la vérification facultative. Bon, si vous lisez la phrase d'en dessous, néanmoins, les fonctionnalités actuelles de vos récompenses brèves sont limitées. Si vous vérifiez votre identité auprès d'un partenaire de portefeuille de garde, vous pourrez déposer et retirer gratuitement de l'argent et recevoir vos récompenses directement. En fait, si vous vérifiez pas votre compte, ça marche pas, vous récupérez pas vos gains. Vous allez faire cette vérification. Continuez. Là, vous allez devoir choisir un service de portefeuille. Soit Uphold, soit Gemini. Je vous conseille de prendre Uphold si vous êtes en France. Si vous vivez à l'étranger, prenez Gemini parce que, ou quelque chose d'autre. Parce que Gemini, il n'est pas disponible en France, en fait. Alors, pour créer un compte Uphold ou Gemini, il vous faudra avoir plus de 18 ans, une carte d'identité ou un passeport qui prouve que vous êtes majeur. Si vous n'avez pas ça parce que vous êtes mineur, demandez à vos parents, un cousin ou une cousine de vous créer un compte, ils comprendront. Une fois que vous avez créé ce compte Uphold, vous allez devoir vous connecter. Donc moi je clique sur Uphold, et c'est marqué connectez-vous. On se connecte. Là normalement vous allez devoir vous connecter à votre compte, mais moi vu que je me suis déjà connecté tout à l'heure, ils vont juste me demander l'autorisation. J'appuie sur autoriser, et là je vais passer en vérifier. Et là je pourrai commencer à gagner de l'argent. Alors cet argent, vous allez le recevoir la première semaine de chaque mois. Par exemple, moi, c'est le 8 septembre, du coup, c'est début de la deuxième semaine. Mais souvent, c'est un peu plus tôt, genre c'est le 7, le 6, ça dépend. Alors, du coup, je vais montrer une deuxième technique pour avoir plus d'argent facilement. Du coup, ce sera de synchroniser les appareils. Alors, vous partez dans les paramètres et sur synchroniser.
gérer vos appareils synchronisés, et là vous allez pouvoir ajouter d'autres paramètres. Alors pourquoi ajouter d'autres appareils? Et bien vous allez pouvoir ajouter par exemple votre téléphone, et du coup maximiser vos gains. Alors vous téléchargez Brave sur votre téléphone, faites, et vous démarrez Brave sur votre PC. Vous faites ajouter un nouvel appareil, tablette ou ordinateur. Par exemple moi je suis sur téléphone, du coup je clique sur téléphone. Vous allez avoir un QR code, vous scannez ce QR code et vous allez pouvoir connecter votre téléphone et votre PC avec le même compte. Alors ça vous permettra du coup de mettre tous vos gains au même endroit, sur le même compte, et ça vous permettra aussi de synchroniser les applications, les favoris, les extensions, thèmes, onglets, etc., etc., les mots de passe de vos appareils, que je vous conseille de faire. Hein. Après, du coup, je vais présenter une autre technique pour avoir d'autres gains. Cette autre technique, c'est grâce au Brave Reward créateur. Alors, vous allez devoir vous connecter. Alors, pour vous connecter, vous rentrez votre adresse email. Ils vont vous demander après d'ouvrir Google Authenticator ou une autre application du genre. Vous allez devoir rentrer, scanner un QR code. Vous allez avoir un code et vous allez devoir utiliser ce code pour vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver ici. Brave Reward Creator. Alors ça fonctionne si vous êtes un créateur de contenu. Créateur parce que vous avez un site internet, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, Twitter, Vimeo ou Reddit. Pour l'instant, il n'y a que ça, bon c'est déjà beaucoup. Et du coup ça vous permet d'avoir des dons sur votre chaîne YouTube, Twitch, etc., etc. Ce qui est très pratique quand vous êtes créateur de contenu. Par exemple, moi je suis créateur de contenu, voilà, j'ai une chaîne YouTube, du coup sauvage. Et bah, du coup, je peux recevoir des dons. Alors, si quelqu'un veut me faire un don, il va cliquer sur le logo de Brave Reward en haut. Il va cliquer sur « Envoyer le pourboire » parce que je suis un créateur vérifié. Et là, les gens, ils peuvent me faire des dons. Ils peuvent me faire un don unique ou mensuel par mois. Bah, du coup, si vous voulez me faire un don parce que je vous ai aidé à découvrir cette technique pour faire un peu d'argent, vous pouvez le faire. Je vous incite pas à le faire. Vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez. Et voilà, du coup, comment faire de l'argent grâce à Brave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le mois prochain, je vous expliquerai comment récupérer vos gains et comment gérer tout ça, parce que c'est un peu compliqué au début. Je peux pas le faire actuellement parce que j'ai pas reçu mes gains encore. Mais voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois. Bisous, ciao!